Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour découvrir la nouvelle extension Pokémon Mascarade Crépusculaire. Oui, ça fait un moment que j'ai pas ouvert du Pokémon, du coup je me réjouis de découvrir cette extension avec vous. Comme vous le voyez, j'ai une ETB, donc écoutez, j'espère avoir de la chance. Mais avant de commencer, et si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, c'est parti pour l'ouverture. La petite carte code, faites-vous plaisir. Je vous avoue que je me suis pas du tout spoil pour cette extension. Du coup, je sais pas exactement quel Pokémon on va pouvoir retrouver. Et en plus de ça, j'ai même pas encore regardé la carte promo au dos de l'ETB. Voilà, les petites sleeves, je vais les mettre là. Et puis sinon, énergie, les petits dés qui sont assez jolis. Bon, de toute façon, c'est toujours aux couleurs de l'ETB. Qui est d'ailleurs assez jolie, hein. Je trouve que... elle rend vraiment bien. Alors, nos boosters, on va les mettre là. On va regarder les cartes tout de suite. Et on va découvrir, du coup, cette carte promo. Ok. Donc, Oguerpon, masque turquoise. Je connais pas ce Pokémon. Étonnant, hein. Écoutez, ma foi, elle est plutôt jolie. Voilà, sleeve. Elles sont cool les sleeves, ils ont mis du noir du coup. Ah ouais, ça rend bien. Je trouve que c'est plus joli comme ça. Donc ça, on va mettre là. On va regarder un petit peu les items. Hop, les cartes promo, etc. D'accord. Ah, donc il y a plusieurs Oguerpon avec différents masques. J'ai pas joué au jeu, donc je sais pas de quoi... Enfin, à quel Pokémon ça fait référence? Bon, j'imagine que du coup, c'est un Pokémon qui a plusieurs formes, on va dire. D'accord. Ensuite, alors, les petites cartes. Les communes. Qu'on découvrira de toute façon dans l'ouverture. On va passer à ce qui nous intéresse. Les cartes high-tech, là, donc les roses, j'en ai encore jamais vu. Ah, le Simiabras, très joli. Momartic aussi. Fionn, attends, c'est Fionn? Ouais, Fionn. Ah, il ressemble à un Manaphy. Je sais plus de quelle extension, mais il me fait penser à ça. Ah, elles sont trop jolies. Scarabolt. Écoutez, pour l'instant, j'aime beaucoup ce que je vois. Ah, ils ont mis Amovenus aussi. Ils ont mis Verpom. Evoli. Le Vénard, trop chou. Ok, ah, sympa le Luxray aussi. Ouais, le Furry X en full art, pourquoi pas. Terra Crystal, ouais. Celle-là est mignonne, soutien de Méfi. Petite carte gold. Donc on a le Ursa King Lune Vermeil X et le Oguerpon Masque Turquoise X, donc à l'effigie de cette ETB. Et deux objets. Ok, bon bah écoutez, c'est parti. Hein. Ah, je vous montre un petit peu les boosters, sachant que je... Bon, du coup, il y a Oguerpon. Elle me dit quelque chose, mais je sais plus. C'est pas Lansaurien. Lui, je sais pas qui c'est. Et le Ursa King. Si je dis pas de bêtises. Ok, bah écoutez, c'est parti. Oh, ça fait trop longtemps que j'ai pas ouvert du Pokémon. Ça me manquait quand même. Ça me manquait surtout de découvrir une nouvelle série. J'espère qu'elle va me plaire. J'espère qu'on aura des hits. Voilà. Alors, Quenton. Polchagest. Mélancolux. Oh, mais je les connais pas moi. Germécla, ok, Roseille, Duramacho, Lucio, Roseille encore, Flabébé, ça commence bien. Ah, l'Euphorie X, très cool. Ok, bah écoutez, ça commence bien, je les sleeve après, vous connaissez la chanson.
Bon, sinon, vous avez remarqué, j'ai un nouveau micro. Enfin, non, j'ai pas un nouveau micro. J'ai acheté un bras pour mon micro, parce que ça jouait pas là devant moi. J'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. J'ai déjà fait des reviews de Koh-Lanta avec, et ben, je suis plutôt satisfaite du son et tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez, si à l'écran ça passe bien. Parce que c'est vrai que j'ai aussi, bah, du coup, le téléphone qui filme. Mais bon, bah, du coup, moi, je suis plutôt contente d'avoir un petit peu de place devant moi. Sablero, Givrali. Ok, Lagnessi, Limagma. Ah bah du coup il s'appelle Tréfroyable. C'est un Tréfroyable. Ok. J'aimerais bien savoir qui fait maintenant les traductions des noms en Pokémon, enfin de Pokémon, du japonais au français. J'avais vu une interview du gars qui faisait la première génération et je trouvais ça hyper intéressant, les rapprochements qu'il avait fait, tout ça, les jeux de mots, etc. Là, suivant quoi, voilà. Bon. Mysticram, Eoko, Gorythmic, Vrombotor. Oh, on a une carte high-tech! Filali. Ah, il y a les évolutions du coup. Première carte high-tech de boîte à secret. Et attendez, je vais la. Voilà. Ah non, il y en a une autre. Ah, c'est la troisième, d'accord, attendez. Donc, Felicanis et un Luglabre. Ah, elles sont trop belles. Alors, j'avoue, j'étais hyper médisante hein, sur ces cartes high-tech. Mais quand on les a pas en main, en fait, ça leur rend pas justice. Déjà, hop, voilà. Bah, j'aime bien. En plus, le rose et le bleu, ça matche bien ensemble. Ok. Je les lirai peut-être après. Je sais qu'au niveau de la mécanique du jeu, ça a l'air assez sympa. Je vous avoue que ça fait un moment que j'ai pas joué du Pokémon. Mince. Je joue à peu grand chose en fait en ce moment. Voilà. J'aimerais bien aussi l'Orcana. Trop mignon, Abra, mais j'ai pas le temps. Tournegrin, Poisson Roi, Soutien de Nifi. Donc celle-là, elle est cool Full Art, Ronflex, Amphibidou. Je vous avoue qu'en fait, je suis un petit peu bloquée au niveau du visuel. Donc, c'est soit je regarde juste mon retour caméra, soit j'essaie de passer les yeux. Là. Bref, on va regarder comme ça. Givrali et un Alakazam. Ah, il est cool. Ouais, retour d'Alakazam. Très joli. Ok. Je vous avoue que je m'attends à rien du tout. Du coup, je pense pas être déçue. Je m'attends à rien du tout, mais je suis quand même déçue. Quelle ref. Bref. Allez, Écarpince, Dura, Darumaru, excusez-moi, Capumain, Petitard, Tour de Brouillage. Ok. Ah, ça c'est. Ouais, j'aime bien ce petit Pokémon chenille ou, je sais pas, vert de pomme. Bon, bref, pomme d'amour. Pomme d'amour. Nigirigon. Ah, c'est le Pokémon que je connaissais pas là, en alt, qui a l'air assez mignon. Ok, maillet amélioré. J'ai un truc. Je vous avoue, j'aime pas regarder sur le retour de ma caméra. Ah, je crois que c'est celui qui ressemble à Manaphy, mais du coup, c'est l'autre Fionn. Ah non, trop bien, Eliatron. Il est trop mignon. Trop chou. J'aime beaucoup ses illustrations. Eliatron et Dinglu. Franchement, c'est quoi ce Pokémon en fait? Juste. Je comprends pas. Est-ce qu'il est super grand? Il a l'air super grand. Bon, trop bien. Eliatron, trop mignonne. C'est vraiment les cartes que j'aime bien. Quoi. Dans les illustrations, les coloris, le design. Trop chou. Ok. Ensuite, il nous reste quoi? Ouais. Ah, on est à presque à la moitié. Ah non, ça s'étend. Ah bah oui. Évidemment. Que serait une ouverture Pokémon sans un bug de ma caméra? Ce serait bien triste. Alors, énergie de base psy, Tarinor, Verpomme, Lumivol, Quaporal, Lagnessigne, Roseille, c'est un petit peu toujours les mêmes là, Téton Poule, on n'avait pas vu celui-là, Galikid, et Flavianos, ok, il est plutôt sympa. Donc voilà, bug toujours sur les noms des Pokémon. En plus, j'ai l'impression qu'il n'y a que les nouveaux Pokémon quasiment. Enfin, non, j'exagère. Je bug sur les noms des Pokémon que je connais pas. Évidemment.
Bon, à part ça, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert du Pokémon. J'espère que je vous ai pas trop manqué. Bon, j'ai toujours mes reviews Koh-Lanta si ça vous intéresse. Ah, Charpente, c'est trop mignon. Je me souviens, j'avais galéré à l'avoir en shiny sur Pokémon Go. Mais ouais, pour venir aux ouvertures Pokémon, franchement, je voulais pas me forcer à avoir des items qui m'intéressent pas ou sur des séries qui m'intéressent pas. Et bah, surtout que c'est de l'argent, donc si je peux le dépenser dans quelque chose qui me plaise, ça me paraît beaucoup plus logique. Mais le Delph. Donc écoutez, pour l'instant, l'extension me paraît plutôt sympa. J'ai... Oh, Floette, trop mignon. Je kiffe en tout cas les cartes qu'on a vues dans le guide. J'espère que la chance sera au rendez-vous. J'espère que le taux de drop sera bon surtout. Et au Garpon, j'arrive pas à lire. Masque du puits X. D'accord. Je comprends pas l'illustration du Pokémon en fait. Enfin, je comprends sans comprendre. Il faudrait que je regarde sur internet comment il est. Parce que là, en plus, en mode serre à cristal, un peu ça. Je comprends pas. Ah là là, on est loin de la première G. Hein. Bon, sinon, sympa pour les sleeves noirs. J'aime bien. Ils ont fait un effort, c'est plutôt cool. Ah, la Célian. Fana. Quantum. Lucio. Hôte de fer. Sabiro. Quantum à nouveau. Chartor. Elector. Ok, on les a remis un petit peu des Pokémon stylés. Genre les évolutions. Les oiseaux. Allez, dernier booster, dernier code. Utilisez-les parce que c'est pas moi qui vais le faire. Alors, énergie, combat, Mediena, Funessir, Flabébé, Verpomme, Galet King, Kit Attrape Insectes, Capidex, Fulguléro. Galégon et un ver de fer. Ah oui, il y a toujours les temps futurs, temps passés apparemment. Bon, ben voilà. Écoutez, je vais essayer mes 4 cartes et on se retrouve tout de suite pour le récap. Voilà, on se retrouve pour le récap de la pioche. Alors, je vous montre rapidement du coup la carte promo de Oguerpon, masque turquoise. Ensuite, on a boîte à secret en carte high-tech. Oguerpon, masque quoi? Du puits X. Ok, voilà, le petit l'Euphorie X et notre plus jolie carte de l'ouverture, ce Eliatron en alterné, en illustration rare, appelez-la comme vous voulez. Je me souviens jamais des termes en plus, attendez c'est quoi? Faut que je me souvienne, une étoile dorée c'est illustration rare, oh ouais, j'avais raison. Donc voilà, trop mignon. Bah écoutez, pour une pioche de 9 boosters, donc on avait 4 hits. Écoutez, c'est dans la moyenne. Hein. Pour une première ouverture mascarade crépusculaire, je suis pas dégoûtée, donc je pense que je vais en rouvrir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !